Donc nos lauréats sont Clémence et Anaïs de Val-Nazaire. Se sont associés pour valoriser l'image de Saint-Nazaire à travers des produits, vous l'avez vu, qu'elles ont créé le micro. Bonsoir à tous les deux. Qui parle alors? Vous répartissez la parole. On va répartir ça, on va faire déjà une garde alternée. Vous allez faire une garde alternée pour le micro, très bien. Vous êtes toutes les deux nazériennes d'origine? Non, moi je suis nazérienne d'origine, oui. Mais vous avez fait des infidélités, vous êtes partie. Je suis partie pour mieux revenir. D'accord. Et je ne bouge plus. Saint-Nazaire vous manquait? Terriblement, oui. Ouais. Vraiment, c'était viscéral. C'était viscéral à ce point-là? J'exagère toujours un peu, mais oui, j'avais le besoin de revenir vivre ici. D'accord. Donc vous êtes toutes les deux auto-entrepreneuses, l'une graphiste, ouais. L'autre rédactrice, ouais. Et donc vous avez uni un peu vos compétences pour défendre l'image de votre ville. Pour quelle raison? Moi, quand je suis revenue ici après 10 ans à Paris, je trouvais que l'image de Saint-Nazaire était encore un peu écornée, alors qu'elle avait bien évolué. Et autant Saint-Nazaire rayonnait de par son industrie, mais pas du tout par le côté touristique. Et je trouvais que la ville méritait ça, qu'on s'y intéresse et qu'on le porte sur soi, qu'on l'accroche chez soi, et que ce soit un objet promotionnel du territoire comme un autre, comme d'autres villes à côté ont su le faire, en fait. Anaïs, qu'est-ce qui vous énerve le plus sur ce que vous entendez sur Saint-Nazaire? Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans ce que vous pouvez entendre sur Saint-Nazaire? Que la ville est grise, moche, qu'il n'y a pas d'ambiance, qu'on peut ne sortir nulle part à Saint-Nazaire. C'est des choses qu'on entend régulièrement et en fait, qu'on trouve fausses. Et en tout cas, c'est intéressant de le mettre en image, de prouver le contraire, de montrer l'aspect aussi poétique de la ville.